I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Be clean. I don't set the world on fire. Bethesda Games present. Fallout 3. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Depuis la nuit des temps, depuis que nos ancêtres ont découvert le pouvoir de tuer avec de simples cailloux, le sang a été versé au nom de tel ou tel dieu, au nom de la justice, ou même simplement de la folie meurtrière. En 2077, après un millénaire de conflits armés, la nature destructrice de l'homme atteignit son paroxysme. Le monde fut plongé dans un abîme d'explosions nucléaires et de radiations. Mais ce ne fut pas comme certains l'avaient annoncé la fin du monde. L'Apocalypse servit en fait de prologue à un autre chapitre sanglant de l'histoire de l'humanité. L'homme était parvenu à tout détruire. Mais la guerre ne meurt jamais. Au début, des milliers de personnes survécurent à l'hécatombe en se réfugiant dans d'énormes abris souterrains. Les survivants ne remontèrent à la surface que pour trouver des terres désolées. Tous, sauf ceux de l'abri 101. Car le jour maudit où le feu tomba en trombe du ciel, la gigantesque porte d'acier de l'abri 101 se referma pour ne plus jamais s'ouvrir. Ceux qui y sont nés y mourront. Car personne n'entre ni ne sort de l'abri 101. Voyons, es-tu un garçon ou une fille ? Hey tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme, on se retrouve pour le tout premier épisode d'une excellente aventure sur Fallout 3. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes bien installé. Allez vous chercher un petit truc à boostifier, un petit truc à boire, mettez-vous dans l'ambiance et comme d'habitude, je m'occupe du reste. Je vais répondre à cette question, mais juste avant, je vous explique ce qu'il se passe si vous étiez déjà sur la chaîne avant de voir cette vidéo. Vous savez que j'avais commencé Alone in the Dark, mais je l'ai mis de côté pour le moment parce que le jeu est tout simplement injouable sur le PC. Et donc je vais continuer à Alan Wake 2 et j'avais quand même envie de faire un
autre jeu à côté, et quoi de mieux pour accompagner la série Fallout qui vient de sortir que de se refaire Fallout, et j'avais envie de commencer par le 3 tout simplement. Voilà, vous savez tout, on est parti, on va pas attendre plus longtemps. Eh bien, je suis un homme jusqu'à preuve du contraire. Hop. C'est un garçon ? Un garçon ! On a un garçon, Catherine ! Un magnifique petit garçon en pleine santé. Oh. Je pète la forme, James. Papa. On a réussi. Un fils. Un beau petit garçon. Tu as un brillant avenir devant toi, mon fils. J'en suis sûr. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu vas faire des folies, compte sur moi. Je suis ton papa, petit gars. Papa. Papa. Il va falloir un nom, pas vrai ? Ta mère et moi en avons parlé. Qu'est-ce que tu dis de... Ah, moi j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée de vieux jeu de mots pourris. On est enfermé dans un abri. Mais bientôt, je serai dehors. Mon prénom, c'est Alexandre. On va dire Alex. Extérieur. Ça vous fait marrer, hein. J'en suis sûr. À l'extérieur. Comme ça. Comme ça, c'est très bien écrit. Hop. C'est un joli nom, tu ne trouves pas ? Ça vieillira jamais des jeux de mots aussi merdiques. La projection génétique est terminée. Voyons à quoi tu ressembleras quand tu seras adulte. Certainement un énorme bousin. Alors, bla. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Je vais pas passer des heures ici, hein. Je vais essayer d'être efficace. Parce que vous êtes pas là pour la personnalisation du personnage pendant des heures. J'aime bien ça. Mais j'aime bien celui-là. Je pense qu'on va rester là-dessus. Personnaliser. Forme. Général. Ouais, c'est... On en a pour des heures, hein. Faire ça comme ça. J'en ai aucune idée. Je vois à peine ce qui change. Le front, je pense qu'il est bon. Les sourcils, je vais pas trop chipoter, hein. Les yeux. Je vois pas trop ce qui change, mais... Oh, non. Bon, je pense que c'est pas mal. Le nez. Ah oui, d'accord. Ok. Comme ça, c'est pas mal. Ok, j'en ai aucune vraie idée. Bon, on va pas trop se prendre la tête, hein, je vous ai dit. La bouche. Ah, je peux pas... bah du coup, on va dire que c'est bon. Les joues, je m'en fous. La mâchoire. On va essayer de faire quelque chose de bien quand même. On va garder cette tronche pendant tout le temps du jeu. Et à mon avis, on est parti pour des heures et des heures et des heures de jeu, si vous voulez mon avis. Ça, c'est bien, ça. Concave, convexe, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah. Ok. Menton. Comme ça. Comme ça, c'est bien. Ok. Ok. Ton. Je suis pas l'eau, hein, moi. Hop. Ça a l'air pas mal. Comment ça orbite ? Ouh là là. Est-ce que j'ai des cernes ? On va pas trop exagérer non plus, sinon c'est pas beau. Je vois pas de différence. Ah si, voilà. Hop.
Couleur des yeux. Vert, bleu. Enfin, plus aller vers les verts. J'ai des yeux un peu plus verts que bleus. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal. La coupe de cheveux, ça m'énerve, mais je sais pas comment on change ça. Dans les cheveux? Barbe. J'ai une énorme barbe. Je peux pas me mettre une énorme barbe? On va mettre comme ça, hein. Moustache. Écoute. On va laisser comme ça. J'ai pas droit à... Les cheveux, tout ça, non? Suivant. Ah, style de cheveux. Térosaure. Hop, petite coupe à la punk. Iroquois, trouble. En arrière. Ouais, en vrai, ça, c'est pas mal. Hein. De toute façon, il n'y a rien de très... Ah si, attendez, il y avait des choses tout en haut. Dégagé. Non. Non. Pavé. Un pavé dans la mare, mon gars. Calvici, non merci. Cache-misère, non merci. Propre sur soi, non merci. Oh, bah écoute. Ça, c'est très bien, ça. Couleur de cheveux. Eh ben, en vrai, on est pas mal. Hein. On est dans les blonds, donc... Allez, ça, c'est pas mal. Pilosité faciale. Je veux une grosse barbe. C'est pas mal. Ça, j'aime bien ça. Mais on va essayer de faire un truc qui ressemble à ce que j'ai. Les favoris, c'est une horreur. Hein. Désolé pour ceux qui en portent. Homme à homme. Homme à homme, la moustache à Freddie Mercury. Hein. Je dis ça, je dis rien. Machiavélique. Attendez. Je vous emmerde, mais on prend notre temps. Hein. Comme je dis, on va se trimballer cette gueule tout au long du jeu. Minou, minou. Symbolique. Juste histoire de. Trace de pneu. Oncle Joe. Je crois qu'on avait ce qu'il faut tout en haut. Hein. Je regarde juste un petit peu. Hombre. Allez, propose-moi des trucs bien, là. En vrai, c'est le plus proche de ce que j'ai. Hein. C'est le plus proche de ce que j'ai. Je peux pas changer la couleur, par contre, parce que j'ai les cheveux blonds et une barbe rousse. Non? T'es pas d'accord avec ça? C'est pas grave, on reste roux. Bon, bah très bien. Ok. Voulez-vous vraiment avoir ce personnage? C'est très bien. Tu ressembleras beaucoup à ton père. Pas du tout. Ça, Catherine? Oh. Oh. Très costaud. Et t'as vu ça, maman? L'univers est grand, mon fils. Rempli de toutes sortes. Genre. Et toi, quel genre de personne seras-tu? Un énorme connard, papa. Catherine, elle a fait un arrêt cardiaque. Commencez les compressions. Sortez le bébé de là. Oh non, maman, elle meurt. 2000. Allez, accroche-toi, Catherine. Tiens bon. D'accord. Toi et moi. Un an plus tard. Si vous ne répondez pas à mes attentes, ne regarde pas directement la lumière. James et son chéri-val. Un avenir sûr. Bonjour, gaga gougou papa. Faut que je vienne près de toi? Viens voir papa. Salut ma couille. Bon sang. Un an seulement et tu marches déjà super bien. Hé hé, t'as vu? Ta maman aurait été tellement fière. Écoute, je sais bien que tu n'aimes pas quand papa s'en va. Mais il faut que tu apprennes à te débrouiller une minute. Mais... Reste ici pendant que papa file à son bureau. Prison pour bébé. Je vais revenir très vite. Mais oui, ça va aller. Je peux parler avec eux. Je peux faire des gazouillis. C'est le meilleur jeu du monde, je veux rien savoir. Je cause, hein. J'ai beaucoup de choses à raconter. Un doudou. Ah. Qu'est-ce que c'est? Être spécial. Je suis spécial. Eh oui, mon gars. S, c'est pour la force. Alors, attendez, je pense que je peux aller tout au fond. Parce qu'en vrai, tout ça, je m'en fous. Voilà. On commence à 5 points partout. Et on a encore 5 points à donner, c'est ça? C'est ça. 5 partout, c'est déjà pas mal.
En vrai, je vais déjà en mettre un dans charisme, parce que j'ai énormément de charisme. Intelligence, c'est bien. La chance, c'est bien. La perception, c'est bien. Et la force, c'est bien. J'essaye d'être plutôt équitable partout, parce que de toute façon, au fur et à mesure du jeu, je mettrai un maximum de points partout. Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'aurais pas forcément besoin ? Tout est bien, j'ai juste mis un de plus dans ce qui est assez intéressant. Je crois que je vais rester là-dessus, je vais pas trop me prendre la tête. Voilà, gaga gougou, je suis parfait. Regardez le livre être spécial, mais c'est fait. Qu'est-ce que c'est ? Hop hop hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu m'as fait peur. Mais c'est qu'on aime explorer, dis-moi. Tout à fait. Ça m'apprendra à essayer de t'enfermer. Viens un peu ici. Je veux te montrer quelque chose. Je t'écoute. C'était le passage préféré de ta mère. Ça vient de la Bible. Okay. Apocalypse 21:6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À qui a soif, je donnerai, moi, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Elle a toujours adoré ça. C'est beau. Allez, allons voir si ta copine Amata a envie de jouer. Oh, ma copine ! Alors là, j'arrive tout de suite. Alors là, mon gars, prépare-toi, Amata. Qu'est-ce qui se passe ? 9 ans plus tard, je suis un grand garçon maintenant. Se préparer à la survie. Bien sûr. Surprise ! Stanley, tu as allumé trop vite. C'est mauvais pour ses yeux. Chaque jour. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux ? Waouh ! Il grandit à une vitesse. C'est mon anniversaire. Merci, Popa. Tu as déjà 10 ans. Je suis tellement fier de toi. Si félicitations, jeune homme. Je n'ai pas besoin de te dire à quel point cette journée est spéciale, pas vrai ? T'avais surtout pas besoin de couper la parole à mon papa. Quand on atteint 10 ans, on est prêt à assumer ses premières responsabilités officielles. Ah ouais. Alors voilà. En tant que superviseur, je te remets ton Pip-Boy 3000 personnel. Youhou ! Habitue-toi à lui. Tu recevras ta première affectation de travail demain. Ah ouais. On a 10 ans qu'une fois, alors amuse-toi. Effectivement. Bon anniversaire. Alors, c'est une surprise, hein ? Mais t'as coupé la parole du type. Ton père craignait que tu doutes de quelque chose. Je lui ai dit de pas s'en faire. T'es facile à tromper. Ah, sympa. Tu m'as pas eu, je faisais semblant de pas savoir. Mensonge. Une super fête, Amata, merci d'avoir organisé ça pour moi. C'est tout, ou alors la vraie fête n'a pas encore commencé. Oh, l'enfoiré. Je pourrais être un enfoiré. Est-ce que je décide d'être un enfoiré, ou est-ce que je décide d'être une crème ? C'est un choix difficile. Est-ce que sa tête me donne envie de la cogner ou pas ? Non, elle a l'air toute gentille. Allez, choupette, merci ! C'est rien. En fait, ton père a presque tout fait. J'ai juste aidé pour les décorations et tout. Hé, je parie que tu ne sais pas ce que je t'ai trouvé pour ton anniv. Allez, devine ! Une pute ? Pardon. J'en ai vraiment aucune idée. Un rendez-vous avec Christine Kendall, je ne sais pas qui c'est. Je suis nul, hein. Allez, donne-moi le cadeau. Quel enfoiré. J'en ai vraiment aucune idée. Allez, ça va lui faire plaisir. Ha, je savais que je t'aurais. Qui est ton barbare préféré ? Grognac. Grognac, numéro 14, et pas une page ne manque. Trop forte. Je l'ai trouvé dans une boîte de vieux trucs de mon père. Incroyable, hein ? Tu l'imagines lire des BD ? C'est incroyable, hein. Tout le monde a dû avoir 10 ans. Eh bien, je ferais mieux de te laisser te mêler à tes invités. On se voit plus tard, hein ? Bon anniversaire. Merci, choupette. J'aimerais bien avoir 10 ans. Oui, j'ai reçu un Pip-Boy. Bon anniversaire. Il est beau, hein. Eh, merci de m'avoir invité. La fête est vraiment bien et tout. Je sais que Butch et moi, on t'embête, mais tu prends pas ça trop au sérieux, hein. En tout cas, bon anniversaire et tout. Je ferais mieux d'y aller, tu vois. Bon, il a l'air trop sympa. Donc il me casse les couilles avec un certain Butch. Ouais. Mais ça a pas l'air d'être un enfoiré, lui. Bonjour. Bon anniversaire, débile. Merci, poulet. C'est tout ? Mais qui c'est, ce trou du cul ? C'est Butch ? Qu'est-ce qu'on a là ? Et tout le monde me dit bon anniversaire alors que je le parle pas. Je ne leur parle pas. Mon Dieu, je ne sais plus parler. Bourpif. Bourpif. Très bien, je vais t'en faire voir des bourpifs, mon gars. Attends que j'ai quelques centimètres de plus. Bon anniversaire ! Attention ! Alors, ta fête te plaît ?
10 ans, mon Dieu. J'ai l'impression d'avoir rencontré ton père hier seulement. Oh, mais je radote trop. Tu attends ton cadeau, n'est-ce pas? Pas forcément, mais... Non, je veux être sympa. Vous n'avez pas à m'apporter de cadeau, madame. Baliverne, quel enfant de 10 ans n'aime pas les cadeaux? J'avoue. J'ai eu 10 ans, moi aussi, tu peux me croire. Mon Dieu. Ouh, il y a longtemps, hein. À l'époque. Pas comme aujourd'hui. Il y a si peu de jeunes. Oh, mais je radote. Et toi qui m'écoutes bien poliment. Bah oui, madame. Une viennoiserie que j'ai fait cuire pour toi ce matin. Et que pour toi, tu n'as pas partagé aujourd'hui. Ah bah c'est gentil ça, madame. Le gâteau. Attends, mais... Joli coup de bœil. C'est quoi? Un des modèles 3000A? Mais il est con. Je crois qu'il faut les remonter tous les matins. T'as pas envie de fermer ta gueule, toi? Je t'ai pas apporté de cadeau, si c'est ce que tu te demandes. Mais je m'en fous. J'ai faim, et cet idiot de robot a cassé le gâteau. File-moi la viennoiserie que t'as donné la vieille palmère. Ses yeux de merle en frit, mais va crever, mon gars. Madame Palmer a dit que je n'avais pas partagé parce que c'est mon anniversaire. C'est une réponse un peu niaise, en fait. Ah, mais il y a plein de réponses. Alors, si on partageait non, tu peux l'avoir, je n'aime même pas ça. Bien sûr, Butch. Et cracher sur le gâteau. Pas mal, ça. Va te coucher, Butch, je ne te donnerai pas ma viennoiserie. Une jolie façon de dire va te faire foutre et j'aime bien. T'as l'air d'avoir faim, ta mère a encore bu les tirs. Mon petit merlan frit, écoute ça et apprends. Ne parle pas de ma mère, petite saleté. Oh, j'ai touché une corde sensible. T'avais dit de le faire moins officiel. Mais il veut se battre. Mais il veut se battre. Comment je te frappe? Laisse-le tranquille. Ça va, petit? T'as pas fait mal? Bah non, pas du tout. Je suis déçu de pas pouvoir lui casser sa gueule. Comment ça va, fils? Ça valait la peine. Salut toi, Andy. Faut vraiment que ça... C'est pas grave. Carrément, les mots sont durs. Hein. C'est quoi son problème à Butch? Je n'arrive pas à croire qu'il ait essayé de déclencher une bagarre à ton anniversaire. Quel nul! Oh, c'est un trou de balle, mais ça va aller. Il a de la chance que Gomez ait arrêté ça avant que je lui fasse vraiment mal. Ça, j'aime bien. Il a essayé de me voler mon gâteau. On s'en fout. C'était ma faute. Tu sais qu'il est facile de rendre Butch furieux. Non. Ton père est le superviseur. Tu peux pas lui parler de Butch? Alors non, ça, c'est vraiment... Allez. Ouais. C'est exactement ce que je pensais. Trop choupi. On a réussi à lui faire la surprise. Qui voudrait passer sa vie? Qu'est-ce que tu dis de ce Pip-Boy? Il te va bien et tout? Ouais, il est cool. Vous l'avez réparé pour moi? Ça irait, mais ce truc a l'air un peu vieux. J'ai horreur de ça. Il a dit que mon Pip-Boy était nul à chier. C'est vraiment cool. Merci, mec. Eh bien oui. Certains trouvent la série A un peu basique. Mais je l'ai toujours préférée à cause de sa fiabilité. C'est tout ce qui compte. Merci. C'est ça, vous m'avez... Merci Stanley. Bah, c'est rien. Ah oui, j'ai failli oublier. Bon anniversaire. C'est pas grand chose, mais j'espère que ça te plaira. J'en suis sûr. Maintenant. Casquette de baseball, cool. Je sais pas comment la mettre par contre. Maintenant, on verra ça plus tard. Allez, Wally, comment ça va? Je suis Stanley. Daddy. J'en ai un. Les Makers. Super cool. Hein. Oula. C'est moi qui suis censé traverser à Matana. Mais je lui parle, il part. Comment trouvez-vous la fête, Madame Palmer? J'ai participé à la. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez. Oh, vraiment, c'est merci. Magnifique. Je vais l'envoyer en bas. Alors, est-ce que toi tu veux parler? C'était bien, je suppose. Pour des petits, des ballons, des chapeaux, mais moins cool que ma fête. Tu te rappelles que mon père a fait faire de la magie à Andy et la partie de chasse aux mutants dans l'atrium? Ouais, c'est cool. Oh, c'est vrai, t'avais pas eu d'invitation. Dommage. Ah. C'était vraiment bien. J'allais dire des trucs sympas, mais en fait t'es une merde. Essaye d'avoir l'air. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me cogner? Tu m'auras pas, papa. Hé, t'essayes de m'attraper, hein. Oh, bordel, il fait des feintes. Hé, vieux croutron. Tu m'auras jamais. Oh, bordel, il va vite, hein, l'enfoiré. Hop. Hé, c'était Jonas. Oh, non. Lui et moi, on t'a préparé un petit cadeau surprise. Très bien. Je t'attends en bas, au niveau du réacteur. Vas-y, je pense que ça ne gênera personne si tu t'absentes quelques minutes. Casse-toi, bon bah très bien. T'as un truc à dire, Paul? Casse-toi, laine de chiotte. Ah, c'est lui qui me dit ça? Mais tu avais l'air si gentil, petit con. Bref, bonjour. Bon anniversaire, trésor. Mon Dieu, j'espère que je n'ai pas raté la fête. À peine.
Ouais, mon père a un matin organisé une belle fête, non? Je ne suis pas une fille. Oh, ça va, hein? Va voir mon cadeau. Mais quel enfoiré! En effet. Eh bien, 10 ans déjà. Oh, je me souviens de l'époque où j'aidais ton père à changer tes couches. Et maintenant, regarde-toi. Pas trop envie de savoir ça. Adulte et avec ton propre Pip-Boy. Adulte, 10 ans. Pour cette grande occasion, tu sais ce que j'ai fait? Je t'ai écrit un poème. Rien ah, génial. Toi. J'espère qu'il te plaira. Trop cool. Bah merci. Bien sûr, file trésor et passe un excellent anniversaire. Merci, madame. Comment je peux écouter le poème? Je peux le faire? Oh waouh! À l'extérieur, point, point, point. C'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est mon spécial, j'ai les compétences, les aptitudes. Général. Où sont mes objets? Items. Armes, vêtements, casquette. Je vais la mettre. Hein. Grognac le barbare. Arme de corps à corps, augmentation de 1. Mais c'est trop bien. Un gâteau. Je l'ai mangé, miam, miam, miam. Divers. Je suis pas censé avoir un poème. Ok. Oh, voilà. Mur gris, acier impénétrable, étouffement, condamnation, des petites mains tâtonnant dans l'incertitude, souterraine, pardon, dans l'incertitude souterraine, je ne sais déjà pas lire. Maman, papa, est-ce la mort? Non, non, renaît dans une fluorescence purificatrice. Un visage émerge, masculin et fort. Un père pour moi, un père pour tous, supervisant nos vies, nos éternités, la dureté de la discipline, la dureté de l'amour, l'obéissance à mon sauveur. De larve à pupe, de pupe à ouvrière, et je ne fais qu'un avec la ruche d'acier. 10 mensonges dans le 101, signifiant enfin que quelque chose. Signifiant enfin quelque chose. Jusqu'à ce que le gris passe, des murs aux cheveux puis à l'âme. Ensuite, l'éternel sommeil, le doux sommeil de l'incinération. La mort. Eh ben, elle est charmante cette petite dame, elle me terrifie. Hop, on se casse. Oui, oui. Jonas t'attend en bas. Bugger, superviseur. En bas où? Appartement. Vous êtes trop nul. Réacteur. On va bien avoir une meilleure idée. Réacteur. Jonas. Où es-tu, Jonas? Il est là. Il y a un truc que je peux piquer. Qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme? Bah. Je croyais que les enfants n'avaient pas le droit de venir au niveau du réacteur. Mais Jonas, petit blagueur. Enfoiré. Ferme, Jonas. Où est mon cadeau surprise? Mais papa m'a dit qu'on pouvait venir ici. Je veux pas lui dire de la fermer, il a l'air si gentil. Ah, mais la première réponse me plaît. Ça c'est vrai. Un Pip-Boy et tout, regardez-moi ça. Et t'as vu ça, Jonas? Si tu peux encore attendre une minute, je crois que ton père aimerait te donner la surprise lui-même. Ça marche. C'est déjà mon pote, lui, je l'aime bien. Daddy. On y va pour la surprise? Avec plaisir. Le superviseur t'a donné ton Pip-Boy et tu as l'âge de faire quelques travaux. Alors, tu dois aussi avoir l'âge pour ça. Ta propre arme la coke. Est comprimée. Ah oui. Elle est un peu vieille, mais elle devrait marcher. Très bien. On va se la trouver en bas. Elle était très abîmée. Il nous a fallu 3 mois pour trouver les pièces et la remettre en état. Eh ben, dis donc. Tu sais à quel point il est difficile de trouver un ressort aussi petit? J'imagine. Heureusement que Butch a égaré son cran d'arrêt. Petite alors, merde. Est-ce que tu bien fait pour sa gueule. Tu veux essayer? Bah, avec plaisir. Ouf, dur, ça va me rapporter quoi de tuer? On peut pas tirer ici. On ne peut pas. Sinon, le superviseur va venir tambouriner à notre porte. Mais Jonas et moi avons trouvé un endroit. Allez. Adorable. On va péter des rats. Et du coup, j'ai l'arme sur moi? Ah oui. Comment je prends l'arme? Il va sûrement me l'expliquer. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en dis? Tu pourras venir tirer ici aussi souvent que tu voudras. Cool. Bah, je dirais que c'est trop génial, hein. C'est vachement cool. Je n'y serais pas arrivé sans l'aide de Jonas. N'oublie pas de le remercier. Merci, Jonas. Bon anniversaire, mec. J'espère mec, il est que tout tu cool. Avec ça.
Merci beaucoup Jonas, c'est vraiment cool. Je pourrais pas avoir une vraie arme, un truc à air comprimé, c'est nul. Je suppose, mais je n'aime pas trop tirer sur des trucs. Ça, c'est vraiment en mode gnan gnan gnan, je suis gentil, moi. Merci beaucoup Jonas. Eh, hey, on n'a pas 10 ans tous les jours. Maintenant, montre-moi un peu comment tu tires. Ok. Attention, un rat de cafard. Tu penses pouvoir t'en occuper avec ton arme à air comprimé? Beau travail. Mais je m'éclatais moi. Un rat de cafard de moins. Prenons une photo ensemble pour garder en souvenir. Avec le cadavre du rat de cafard, je vais le chercher. Prends une photo de moi avec notre as du tir. Il a pas l'air de vouloir prendre cette photo. Cheese. Ah. Ouah, ça flash hein. Un flash bien radioactif ça. 6 ans plus tard, j'ai 16 ans. Bientôt l'âge de soulever Amata. Je suis l'alpha et le... Pardon, pardon. Le commencement. Pour autant que je puisse le dire, tu es un garçon de 16 ans en pleine santé. Alors oui, tu dois aller en classe et passer le GOAT. Oh. Allez, non. GOAT. Tu as un GOAT à passer. Le GOAT. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Mais je suis malade, vraiment, non, c'est un mensonge. Il y a des choses à savoir sur le GOAT. Si tu le dis, papa, salut, papa. Ah, les examens, c'est chiant, papa. Si tu le dis. Hey, ce n'est pas moi qui décide, c'est le règlement. Tu as 16 ans. Alors, cette année, tu passes le GOAT. Mais je suis déjà le GOAT, papa. C'est pas si méchant. Tout le monde le passe. Ça va aller. Allez, il y a des choses à savoir. Examen généralisé d'aptitude professionnelle, ou GOAT. Tous les gens de l'abri le passent à 16 ans. Ça permet de définir le poste que tu auras dans l'abri 101 dans quelques temps. Alors fais attention et essaie de ne pas t'endormir. Tu sais ce qu'on va essayer. Superviseur, on est dans l'abri, on meurt dans l'abri. Tout le monde passe l'examen pour définir ses capacités afin de servir au mieux tous les autres résidents de l'abri. Ah, ça te dit quelque chose? On est obligé de mourir dans l'abri, on ne peut pas sortir. C'est vrai, pas tout le monde est né dans l'abri? C'est ce que dit le superviseur, non? Il ne laissera entrer personne d'autre. Alors j'imagine que ça va rester comme ça. Tu es ici et c'est nettement mieux qu'être là-haut. Ta mère et moi avons toujours voulu que tu sois en sûreté. Et c'est le cas ici. J'imagine, j'imagine. Est-ce qu'on parle de maman? Je veux pas embêter papa avec ça. Allez papa, je vais te rendre fier. Je vais aller passer le GOAT! Fais attention mon garçon. Maintenant file. Et bonne chance. Ça va bien se passer. J'ai pas l'arme sur moi, dommage. Y a autre chose? Bloc-note médical. Je peux tout piquer. Hop. Bonjour. Tu passes voir ton père avant la classe, hein? Salut ma couille. Bonjour Doc. Ça va? Ces résultats ont pu être examinés? Comment ça verrouillé? J'ai passé en revue. Comment ça? J'aimerais garder un œil là-dessus. Pas de problème. Mais quelle serrure? Mon rapport sera prêt cet après-midi. Système de données. Oh, je peux fouiller devant lui, il me dira rien. Dossier des patients. Amata! Une fois encore, le superviseur a insisté pour être présent lors de l'examen d'Amata. J'attends aux orties toute notion de confidentialité entre médecin et patient. Je sais qu'il ne me fait pas confiance, ça a toujours été le cas. Mais je pense vraiment que la raison pour laquelle il assiste aux examens médicaux de sa fille est qu'il ne lui fait pas davantage confiance. C'est aussi ridicule qu'atterrant. Amata est une jeune fille géniale et le risque qu'elle fasse une bêtise, grossesse, syphilis, etc. est tellement faible. Il ne vaut même pas la peine d'être envisagé. Alors ça, mon gars, c'est mal me connaître. Oh, j'ai pas besoin de fouiller tout ça. Expérience. Je vais pas tout lire dans le jeu parce qu'il y a énormément de choses à lire. J'espère que je passerai pas à côté de choses intéressantes. Comment je quitte? Comment je... Au secours! Ici. Hey, salut. Salut, Makai. Hey, mec. Ça fait un moment que t'as pas fait un saut ici. Hey, mec. Il y a rien là-dedans. Ouais, c'est le grand jour du GOAT, je vais tout péter. Pardon pour l'attente. Je suis désolé, je fouille, hein, mais... Hop. Je au revoir, papa. Qui me lâche pas, même avec les pilules de la semaine dernière. C'est la lumière, je crois. Elle me fait mal aux yeux.
Toujours préoccupé. Hey, faut faire attention. Et lui qui me dit de faire attention. Quelques autres tests. Ouais, je crois que ça me plairait. Bon, je vais me casser, hein. Je vais fouiller ça. Y a rien. Y a rien. Je dois régler des trucs pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Montrer un vrai serpent de tunnel, Amata. Mais quel baraki. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ferme un peu ta gueule. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça te regarde pas. Casse-toi avant qu'on te cogne. Un problème? Si tu cherches les serpents des tunnels, tu vas les trouver. Compris? T'inquiète, il est en face de moi, le gogol. Discours 58%, si tu continues à l'embêter, le superviseur va s'en prendre à ton gang. C'est un peu ridicule comme réponse. Et discours 58, c'est peut-être pas assez. Laisse-la tranquille ou t'auras affaire à moi. Je peux peut-être aider, son poids la préoccupe pas mal. Je vais y aller, là. Laisse-la tranquille ou t'auras affaire à moi. Son mec? Ha! Continue comme ça et on va te renvoyer à ton père avec quelques fractures. Ça l'occupera. Tu veux te battre? Tu me fais marcher. Allez, serpent des tunnels, cette espèce de débile a besoin d'une autre leçon. Tu vas envoyer tes potes sur moi. Laisse-le tranquille. Ah, on joue les durs, hein. Frappe-le encore. Ça t'apprendra à emmerder les serpents des tunnels. Cogne-le encore. Frappe-le encore. Je vais les foutre à terre, tu vas voir ça. J'ai la même chose dans mon autre main. Ça résout rien. Frappe-le encore. Ça résout rien. Il fait mal, l'enfoiré. On arrête ça. Ok. Allez. Non, on comme arrête encore. Je suis pas à ma pote, on dit pas des saloperies pareilles à 3 contre 1. Butch, t'es infirme, voilà. T'es infirme de cul, va. Ouais. Encore. J'aurais dû mettre toute ma force pour leur péter la gueule. Votre karma a augmenté. Ça y est, t'as peur? Dégage. Connard, va. T'as la trouille? Ça va, choupette. M'avoir débarrassé d'eux. Quel connard. C'est clair. Je sais pas pourquoi ils s'acharnent sur moi. Parce que mon père est le superviseur, je suppose. Les crétins. C'est des petites merdes. Un problème? D'accord, d'accord. T'as gagné. On va laisser la petite fille tranquille. T'as surtout la trouille, hein, petite merde. On va perdre notre temps, de toute manière. C'est ça, j'allais te foutre à terre. On se tire. C'est ça, retourne dans ton trou. Connard, va. C'est sûr que tu lui fous la paix, là, parce que tu vas un peu là où elle est. Ah, c'est là que je dois aller. Ah, enfin. Alors, on commence le goat? Pas de souci, ça n'a rien de terrible. C'est juste une épreuve que tout le monde doit passer. Je me sens pas bien. Bien sûr, je suis prêt, je parie que je vais cartonner très bien. J'en suis certain. D'autant plus que ce sont des questions à choix multiples, sans fausses réponses. On commencera dès que tout le monde sera assis. Bonne chance. Ne faisons pas attendre le superviseur. Autre chose à dire, petite merde? On parlera à ta copine plus tard. Ouais, quand je serai pas là pour te péter la gueule, c'est ça? Merde, hein. Hop. Eh bien, maintenant que tout le monde a trouvé le chemin de la classe, on va pouvoir commencer. On ne parle pas et on n'essaie pas de copier. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur Deloria. Bien sûr, monsieur Broch. Si personne d'autre n'a de commentaires instructifs à faire, commençons. Question 1. Vous voyez approcher un scientifique qui hurle « Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique ». Quelle est votre réaction? Ça sonne très sexuel. Mais docteur, cela entraînerait-il pas une déstabilisation parabolique de la singularité fissionnelle? Photonique ta mère, mec. J'adore. Vous ne dites rien, mais saisissez un tuyau pour assommer le scientifique. À votre connaissance, il avait l'intention de faire exploser l'abri. Vous ne dites rien, mais vous vous éclipsez avant que le scientifique continue de divaguer. Parler ou alors agir? Les actions valent mieux que des phrases. Je sais pas, je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. Est-ce que c'est pour faire exploser l'abri? On va répondre ça. On l'assomme. Question 2. Alors que vous travaillez en tant qu'interne à la clinique, un patient présentant une infection bizarre au pied franchit la porte. L'infection se propage à un rythme alarmant, mais le médecin en titre n'est pas là. Que faites-vous? Vous amputez le pied avant que l'infection se propage. C'est vrai que ça a l'air d'être en train de se propager sa race. De façon alarmante, il dit. Hein. Vous demandez de l'aide en hurlant. Au secours! Vous traitez la zone infectée au mieux de vos capacités. Vous attachez le patient et observez avec soin la propagation. Il n'y a personne?
Le docteur s'est absenté pendant un moment, que faites-vous? Faut agir, non? Infection étrange au pied arrive en boitant, l'infection se propage de façon alarmante. Alarmante, il dit, hein. En vrai, je lui coupe le pied, hein. Ou je traite la zone infectée au mieux des capacités. Mais ça se propage. Ah, je lui coupe le pied, hein. Je lui sauve la vie, je pense. Question 3. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Oh, poupée! Enfin, il est effrayé, mais il semble aussi être en possession d'objets volés. Que faites-vous? Bah, ça dépend, qu'est-ce qu'il a volé, s'il a faim, si c'est de la bouffe. Serrez l'enfant dans vos bras et lui dites que tout ira bien. Bah, choupé. Confisquez les objets volés par la force en laissant l'enfant sur place en guise de punition. Faites les poches de l'enfant afin de vous emparer des objets volés et l'abandonner à son sort. Vous ramenez l'enfant dans un endroit sûr et vous le conduisez au superviseur. Mais je sais pas à quel degré le vol est punissable dans l'abri. Mais mon cœur a envie de dire que je le prends dans les bras et je lui dis que tout ira bien parce que je sais pas ce qu'il a volé, mais il a sûrement une raison, il est terrorisé le petit loup. Question 4. Félicitations. Vous faites partie d'une des équipes de baseball de l'abri 101. Cool. Quel poste préférez-vous? Lanceur, attrapeur, batteur désigné, aucun vous préférez que l'abri ait une équipe de football. J'aime pas le football, donc le baseball c'est bien. Lanceur, attrapeur, batteur, c'est pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas Pom-Pom Girl dans les choix. Hein. Allez, batteur. Question 5. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. Oh mémé. Surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande d'abattre un résident de l'abri. Mais elle est folle, mamie. Vous lui obéissez et tuez le résident avec le pistolet. Vous lui offrez votre bien le plus précieux en échange de la survie de cet habitant. Vous demandez à votre grand-mère un minigun. Vous n'avez pas envie de rater votre cible. Vous jetez votre tasse de thé au visage de votre grand-mère. Mais non, mais je vais pas toucher mamie. Je vais pas obéir. La réponse la plus logique et la plus humaine, c'est de lui offrir le bien le plus cher en échange de la survie de cet habitant. Je sais pas ce qu'il a fait, le mec, encore une fois. C'est pas précis, hein. Ça se trouve, il lui a fait des horreurs, hein. En fait, s'il a fait du mal à mamie, je prends le minigun. Non, allez, je lui file le bien le plus précieux en échange de la survie de cet habitant. On va pas buter quelqu'un sans savoir exactement ce qu'il a fait. Question 6. Le vieux monsieur Abernathy s'est de nouveau enfermé dans ses quartiers et vous avez reçu l'ordre de le faire sortir. Comment allez-vous faire ? Vous utilisez une épingle à cheveux pour crocheter la serrure de la porte, vous vous procurez un pétard auprès d'un truand de l'abri et faites sauter la serrure, vous allez à l'arsenal récupérer un pistolet, laser et tirer sur la serrure, vous partez en laissant ce vieux débris pourrir sur place. Bah, j'utilise une épingle à cheveux pour crocheter la serrure. Hein. Question 7. En douceur. Non, vous avez subi une exposition aux radiations et une main mutante. Oh non. Morte couille. Traitement. Une balle dans la tête, d'importantes doses d'agents anti-mutagènes. La prière, peut-être Dieu vous épargnera-t-il en échange d'une vie de piété? Pas trop, non. L'ablation des tissus ayant muté à l'aide d'un laser de précision. Mais ça, c'est très chirurgical, ça me paraît plus logique, en fait. Hein. Question 8. Un autre résident de l'abri 101 possède un exemplaire du numéro 1 de la BD Grognac le Barbare. Ouh, rare. Quel est ah le oui, meilleur moyen je de confirme. On le bute, hein. Vous échangez cette BD contre l'un de vos objets les plus précieux, vous volez la BD l'arme à la main, vous vous faufilez dans les quartiers de cette personne et volez la BD sur son bureau, vous versez quelques gouttes de soporifique dans son Nuka-Cola et prenez la BD pendant que la personne est inconsciente. Non, je lui propose d'échanger. Question 9. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle, pendant que personne ne regarde, et... Vous dévissez quelques tuyaux lors de la première utilisation, la salle sera inondée. Vous jetez un pétard dans la cuvette, le chaos à peu de frais. Vous forcez son armoire à pharmacie et remplacez son médicament contre l'hypertension par des pilules de sucre. Petit bâtard. Vous modifiez la puissance de son rasoir afin qu'il s'électrocute au prochain rasage. Mais tout est immonde. Je dirais que la flotte, c'est bien. La cuvette qui pète, c'est chiant, c'est le cas de le dire. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Allez, quelques tuyaux. Question 10. Qui est, sans l'ombre d'un doute, la personne la plus importante de l'abri 101? Celle qui nous protège des rigueurs des terres désolées, atomisées, et à laquelle nous devons tout, y compris la vie? Ah. Ah, ah. Comme c'est drôle. Pas du tout sectaire, le bordel. On pose les crayons, c'est fini. Le célèbre Goat. Je suis... T'as mis quoi à la dernière question? Pour les autres, il y a toujours des places. J'avais pas quoi répondre! N'oubliez pas de déposer votre copie avant de partir.
Mieux vaut pour vous ne pas savoir ce qui arrive aux gens qui échouent au Goat. Je vous laisse le reste de la journée. Faites la fête ou priez, selon la situation. Pourquoi t'as fait un tour comme ça, c'est bizarre. C'est terminé? Oui. On dirait que la cafétéria va avoir un nouveau cuistot. Je ne le dirai qu'une fois. Pas de moutarde, beaucoup de pickles. Cuisinier. Oh, j'aime bien cuisiner, mais j'ai d'autres projets. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mes rêves se réalisent enfin. Bon, j'ai répondu au hasard. C'est ce qui vous a valu ce boulot. C'est pas possible. Cette saloperie de test s'est complètement plantée. Je peux pas dire que c'est mon rêve. Je peux pas. Je rêve pas d'être cuistot. Mais j'ai répondu au hasard. On va dire ça. Tu es plus près de la réalité que tu ne l'imagines. Écoute, j'étais comme toi à ton âge. Je n'ai pas pris le goût au sérieux. Et regarde où j'ai fini. De toi à moi, cet examen n'est qu'une vaste blague. Ah ben si ça les va. Résultats ne te plaisent pas, je peux donner à ton goat l'orientation que tu veux. Oh. Il suffit de me le dire. Ah ben voilà. 3 sélectionnés, troc, arme de corps à corps et discours. Discours, j'aime bien. On enlève ça. Arme lourde, arme à énergie, explosif, crochetage, c'est bien, je crois. Médecine, arme de corps à corps, réparation, science, arme légère, j'aime bien. Je crois que discours, arme légère et crochetage, pardon, c'est pas mal. Hein. Je crois que c'est bien. Sortir de la classe. Voilà, allons-y. Roche. J'espère que j'ai réussi. Je ne me Laisse-moi fais tranquille, sous-merde. Voyons. Très bien. Il y a encore du sang partout. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! 3 ans plus tard, 19 ans, Makai. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Égoïste, sans la moindre discrétion, comme ton père. Allez, on se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma choupette. Allez, il faut que tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? C'est étrange, je rêvais justement de toi. Laisse-moi tranquille, j'essaie de dormir un peu. Allez, on tente tout. Ma poulette. Arrête tes conneries, c'est sérieux. Mais... Les hommes de mon père te recherchent. Ils ont déjà tué Jonas. C'est pas vrai. Oh bordel, ils ont buté Jonas. Je vais tous les buter. Oui, parce que je tiens à dire quelque chose, ce jeu-là, Fallout 3, j'ai énormément vu mon père y jouer, mais je n'y ai jamais joué moi-même, donc je découvre un peu l'histoire, voilà. Quel est le rapport avec moi? Quelle enflure. Si ton père a tué Jonas, je vais lui faire payer. C'est un peu dur, mais putain, Jonas, c'est mon pote, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père, il a quitté l'abri. Mon père a pensé que Jonas l'avait aidé à s'échapper. Alors il a envoyé ses hommes. Mon Dieu, ils l'ont tué. Mais c'est ultra... Ils l'ont frappé. C'est ultra violent. Sans s'arrêter. Choupette, ça va? Ouais. T'en fais pas pour moi. Et désolé que tu l'aies appris comme ça. Je sais que Jonas était ton ami, mais il faut qu'on y aille. Les hommes de mon père vont être là d'une minute à l'autre. Mon père n'a pas pu partir, la porte est fermée. C'est con, quoi. Je peux pas rester ici, mais où aller? Tu es la fille du superviseur, tu ne peux pas arranger ça. Mais si tout est vrai, comment es-tu arrivé ici? Je dois quitter l'abri et tu vas m'y aider. Je peux pas rester ici, mais où aller? Je suis désolée, mais je crois que tu vas devoir suivre ton père. Tu vas devoir fuir l'abri. Écoute, ça me regarde peut-être pas... Mais ton père t'a pas dit qu'il allait partir? Il est parti sans moi, sans rien me dire. J'ignorais totalement qu'il avait l'intention de partir. Oh, je suis désolée. Je suis sûre qu'il avait ses raisons. Certainement, mais bon, c'est rude. Et Jonas était censé tout expliquer. Mais c'est peut-être. Sans importance. Je peux t'aider à t'enfuir. J'ai mon propre plan. C'est très gentil. Écoute, un tunnel secret relie le bureau de mon père à la sortie. Tu vas devoir pirater l'ordinateur de son bureau pour l'ouvrir. Utilise ça pour entrer dans son bureau. C'est comme ça que je fais. Ça me paraît un bon plan, tirons-nous d'ici. Oh, encore une chose. J'ai volé le pistolet de mon père. J'espère que t'en auras pas besoin, mais vaut mieux l'emporter au cas où. Merci Amata, je ne m'en servirai qu'en dernier recours, c'est promis. Super, ce serait-il si je tombe sur les hommes de main de ton père. Je peux lui laisser. Je veux pas qu'elle meure, hein, moi. Garde-le. D'accord. J'imagine qu'il me servira si je tombe sur des rats de cafards. Rats de cafards, c'est un peu léger, mais...
J'essaierai de te retrouver à la sortie. Fais gaffe à la sécurité. Bonne chance. Je ne serai pas toujours là pour te tenir la main. Je te retrouverai à la porte de l'abri si tu... Arme à air comprimé, des soins. Ah, je me trompe de touche. Arme. Et mon arme à air comprimé, le cadeau de Jonas. Je vais le venger avec ça, tu vas voir ça. Plomb. Bah oui, je veux bien. Je pense qu'on est pas mal. Il y a quelque chose là-dedans. Combinaison de travail, combinaison de l'abri, casquette d'avant. Ok. On y va, hein. Il est là. Attrapez-le. Nom de nom. Tu vas pas m'attaquer. Enlevez-moi ça. Oui, je vais t'aider. Oh, mais il est mort. Bon, bah, je voulais t'aider. Je suis sûr que t'es pas un méchant. Vêtements. Casque de sécurité. Je sais pas du tout par où je dois aller par contre. Storage, inaccessible. Il faut m'aider! Ma maman est piégée là-dedans avec les rats de cafard! Budge qui veut de l'aide, si seulement tu savais ce que veut dire l'ironie. Je regrette Budge, j'ai mes propres problèmes à régler pour l'instant. Écrase, je t'aiderai pas. Écrase, je t'aiderai pas. Je sais que j'ai toujours été salaud avec toi. Je le sais! Mais tu peux pas partir et la laisser mourir parce que j'ai fait le con! Je t'en prie! Je t'en supplie! Sa mère, je sais même pas qui c'est. Petite merde, va, je le déteste. Je t'aiderai pas. T'es une sous-merde, tu le sais ça? Je te pisse dessus, putain de lâche! Lâche? Bah va l'aider toi-même. Par ici, à Zolkendal. Elle est en train de crever. Bon, hop, 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 je me casse, moi. Atrium. Clinique. Nous ferons le mieux de rentrer dans nos quartiers. C'est notre seule chance, ça se voit pas. Upper level. Hop là, c'était tout juste. Hop. Ne gênez pas le personnel de sécurité de l'abri. Tout résident découvert. J'essaye de pas gâcher des munitions. Ici c'est le système. La suite est par là ou je me suis trompé de chemin? Oh. Oui, oui, oui. Admin. Ambush plate. Non mais. Sérieux? Aïe, aïe. Je sais pas où est la suite. Aïe aïe aïe. Security, c'est là-bas? Ah oui, il faut que... Mais vous allez me forcer à vous tuer, les gars. Le superviseur est là. Bon bah le Svav, hein. On va casser des têtes. Alors l'épisode sera plus long que les prochains épisodes. Bah parce que c'est le début, hein. Aïe aïe aïe, j'aurais dû accepter le flingue à moi. Aïe aïe aïe, les PV. Bon bah vous me forcez hein les gars. Hop, et de 1. Ça va être long. J'ai mis des coups critiques quand même, hein. Là, j'ai beaucoup de PV par contre. Hop, coup critique. T'en veux encore?
Petite crotte. Mais tu es mort, il faut arrêter de crier. Hop, à poil. Terminal de bureau. Des steam packs. Non, je m'en fous. Je veux pas verrouiller la porte. Bon, il est là, il me parle pas, il m'emmerde pas. Des cartouches. Je prends tout, hein. Faut que je te parle ? J'espère que tu es venu te rendre, jeune homme. Tu as déjà assez d'ennuis comme ça. N'aggrave pas ta situation. T'as fait tuer mon pote. Donnez-moi les clés de votre bureau et le mot de passe, ensuite je filerai. Si vous levez encore la main sur un matin, je vous le ferai regretter. Je suis là pour vous tuer, Jonas était mon ami. Allez, donne-moi les clés, je me casse. C'est tout ? C'est juste parce que t'es le père d'Amata. C'est sûr ? Fais pas le malin. Tu tiendras rien de moi. Je préfère mourir que de compromettre à nouveau la sécurité de l'abri. Écoute, mon gars. Ça va, le modèle de vertu. On vit dans un monde dangereux, et je n'ai pas à m'excuser de faire ce qu'il faut pour protéger l'abri. Tu dis de la merde. Garde ! À l'aide ! Verrouillage de cellule impossible ? Merde, il rappelle des gardes. Bon, je dois faire quoi ? Mais sans sa clé, je peux pas y aller. C'est ça l'emmerde, non? Ah, je peux crocheter. Hop, 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 je fais n'importe quoi. Bah voilà. Même pas besoin. Certains terminaux sont protégés, il est impossible d'y accéder sans un mot de passe. Si votre compétence science est assez élevée, vous pouvez essayer de pirater le terminal. Si vous choisissez le bon mot de passe, vous aurez accès au terminal. Si vous vous trompez, on vous indiquera combien de lettres sont correctes et au bon emplacement. Vous avez 4 essais pour réussir. Si vous échouez, le terminal restera inaccessible tant que vous n'aurez pas le mot de passe. Vous pouvez quitter la phase de piratage et réessayer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Great first grass asp rose front grass pride trash dress. Je regarde s'il n'y a pas un truc exit 2 sur 5. Donc il y a peut-être un E et un T. Great 1 sur 5. Donc c'est le T. Ah non, c'est le E. C'est le E qui est bon. Il y a le E qui est bon et la deuxième lettre, c'est un... Un T, du coup. Ah ben non, parce que là, c'était pas bon. What the fuck? Exist. Exist, il y en a deux de bons. Oui, parce que c'était exist et pas exit. Donc attends, exist, il y en a deux de bons. Il y a forcément le T. Parce qu'ici, le T est bon. Ou alors, c'est pas ça du tout. Le E... Ça peut être le E. Un truc avec E. A rose. Pride. Dress. Aïe aïe aïe. Un essai restant, je quitte. Hein. Très facile, Killy. Je vais y arriver. Au pire, je le brute force et ça finira bien par tomber. Leave. 2 sur 5. Alors. Plays. Il y a un A et un L. Ok, c'est A et L. A et L, A et L. A et L, A et L. Est-ce qu'il y en a bien un autre ? Plainte. Merde. Oh, fait chier. Mais je suis nul, moi, ça. Quel enfer. Grave. G-R-A-V-E, il y en a deux de bons.
Ah, c'est bien, grâce, 4 sur 5. Bah donc il y a au moins G-R-A-S. Tu te fous de ma gueule. Il y a au moins G... Bah non. Donc G-R-S-S. C'est si nul que ça. Ah non, ça peut être crasse. Parce que grass, il y en a 4 de bon, donc ça peut être R-A-S-S. Et ça peut être brass. Oh, si je me trompe là, c'est mort. Ok, c'était ça. Oh, ouh. Non, non, je me suis gouré. Vos tentatives d'accès à ce terminal ont toutes échoué. Il va falloir trouver le mot de passe quelque part. Fais chier. J'ai fait nimp. J'ai vraiment cru que je l'avais. Hein. Je l'ai. Ouvrir le tunnel du superviseur. Hop, le reste je m'en fous. Ah, c'est ici. Allez, j'y vais. J'aurais dû accepter le flingue. Dès qu'on sera sorti de l'abri, je sauvegarderai. Hein. On s'arrêtera pour ce premier épisode. Qu'est-ce qui se passe ? Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Hop, c'est activé. Ça s'ouvre. Bien sûr que j'ouvre la porte de l'abri. Oh, t'es là, toi. T'as réussi. T'as ouvert la porte. Mon Dieu, j'étais même pas sûre que ça marche. C'est grâce à toi, poupette. J'y serais jamais arrivé sans ton aide. Non, t'avais pas besoin de moi. Si quelqu'un peut survivre dehors, c'est bien toi. T'es une crème. Viens avec moi, je t'en supplie. C'est tentant, mais ma place est ici. L'abri a plus besoin de moi que toi. Mais je suis la seule moi, j'ai besoin de toi. Raisonner mon père. Écoute... Si tu retrouves ton père, dis-lui que je regrette. Pour, tu sais, Jonas, mon père, tout ça. Au revoir. J'espère qu'on se reverra. Hop, hop, hop. Je ne tuerai personne, je me casse. Ils me suivront pas de façon. Y'a des chiffres molles. Le nom c'est bien, tout ça c'est parfait, spécial c'est bien, modifier spécialité, terminé. On se casse. Ouah, ça flash. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Quête achevée, F8. Et on prend un point de niveau. Ça veut dire que je peux le mettre quelque part. Ah. Ah ouais, ça a fait monter les points à crever quand j'ai pris discours, arme légère. Je vais mettre ça ailleurs. Hein. Crochetage, c'est bien. Arme de corps à corps, peut-être. Science. Troc. Je vais le mettre dans troc, ce sera sûrement pratique. Ah, j'ai plusieurs points. 14 points. What the fuck? Médecine. Science. Discrétion. Réparation. Allez, réparation. Ah, ça me paraît bien ça. Je dois choisir une aptitude. Entraînement intense. L'aptitude d'entraînement intense permet d'ajouter un seul point à l'un de vos attributs spéciaux. Donc là maintenant je pourrais rajouter encore un point. L'aptitude esprit vif rapporte 10% de points d'expérience supplémentaires lors de l'acquisition des points d'expérience. Ça c'est très cool. Vous adorez utiliser et entretenir une vaste gamme d'armes à feu classiques. Chaque degré de l'aptitude fanat d'armes augmente de 5 points les compétences armes légères et réparation. Ouh, ça c'est cool. Ce cher vieux papa, vous avez consacré votre temps aux disciplines intellectuelles. Vous gagnez 5 points supplémentaires dans la compétence science et médecine. Là, d'un coup comme ça.
garçon à papa. Parce que mon papa, c'est mon papa. Voilà. On va faire ça. Eh, ça a l'air pas mal. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao tout le monde. À plus.